Bienvenue à toutes et à tous, c'est Monsieur Bob, et aujourd'hui on se retrouve sur SimCity pour une nouvelle session du Let's Play SimCity. Et pour ceux qui l'auraient reconnu, c'est la musique de SimCity 3000 que vous aurez durant toute cette session. Mais oui, j'ai décidé que pour cette session, session du Let's Play SimCity, j'ai décidé qu'il y aurait la musique de SimCity 3000, tout simplement. Et pourquoi pas, hein, et pourquoi pas. Parce que la musique de SimCity, de ce SimCity 5, elle est très très bonne. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Elle est un peu répétitive par moment, mais ça reste quand même une très très bonne BO. Mais personnellement, je trouve que la meilleure de toutes les BO reste avant tout SimCity 3000, qui avec cette bande son jazz Jay-Z, vraiment c'est, elle est très très bonne. Et donc on se retrouve sur ce Let's Play SimCity sur Namero. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à SimCity, donc j'ai un peu perdu quelques repères, je vous avoue. Mais ça reprend tout de suite. Alors, j'avais dit que j'avais construit l'Arc de Triomphe. C'est un joli monument, c'est très beau. J'avais dit que c'était pas définitif. J'ai mis l'Arc de Triomphe, c'est assez joli. Mais honnêtement, je pourrais, je pense, le remplacer. Ouais. Vu comme il est mis, il est pas très... Je sais pas vous, mais moi, je vais en mettre un autre. Voilà, ça commence direct. Destruction de l'Arc de Triomphe. Je vais remettre un autre monument à la place. Pardon, mais j'adore cette bande originale SimCity 3000. Vraiment, elle est excellente. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Alors, Edificio Copaine, ça c'est sympa, et en plus, ça, c'est une résidence, en plus, donc ça attire des habitants en plus. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup la tour Giralda. Je la trouve très jolie. Vous savez quoi? C'est celle-là que je vais mettre. Voilà. Chacun ses goûts. Hop, on va mettre un petit peu de commerce à côté, et voilà. Voilà, la tour Eiffel. Je me trouve de monument. L'Arc de Triomphe, elle est très belle. Mais, personnellement, la tour de Giralda, moi, me fait kiffer, honnêtement. Elle est très très sympa. Youp. Elle est très très sympa, je trouve. Par moment ça lag, je suis désolé. C'est à cause de la musique, hein. J'ai la musique en même temps et il aime pas trop ça. Alors, est-ce qu'on a des monuments installés? Oui, il y a la pièce de théâtre. Centre d'exposition. Concert de rock, carrément. On augmente un petit peu la vitesse. Mais on n'a pas oublié, bien entendu, de construire notre principal objectif, la tour Eiffel. Et vous savez quoi? Nous avons l'argent suffisamment d'argent pour pouvoir construire cette tour Eiffel. Le problème, il est de taille, c'est la place. Où est-ce qu'on va le mettre? Parce que c'est très grand, la tour Eiffel, c'est très très grand. Vous voyez par vous-même. Ah non, pas encore tout à fait. Regardez, je pourrais le foutre là, presque. Vous voyez, mais je vais pas le mettre ici. On va faire quelques petits travaux, ce sera la meilleure chose à faire à mon avis. Alors, oui c'est vrai, la dernière fois on avait fait de nouvelles avenues. Voilà, c'est ça. On avait gagné un niveau, non? Non, je sais plus, non je crois pas. Non, je crois pas qu'on ait gagné de niveau. Non, on n'a pas gagné de niveau. On n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Les casinos marchent plutôt bien. Ça c'est plutôt cool. 15 000.
Alors, je crois qu'il y en a... Il y en a pas un autre par ici? Non, apparemment pas. Côté son exposition peut-être. Il y en a un là. 48 000. Po. Celui-là, donc celui-là, c'est à 15 000. Il y en a pas un autre? Si, il y en a deux autres, voilà, c'est ça. 23 000 ici. Et j'ai dit qu'il y en avait deux. Dans ce cas, où est le deuxième? Il n'y en a pas deux? Oh, j'étais certain d'avoir mis deux, vous voyez. J'ai n'importe quoi. Bah, le plus simple. J'ai cliqué sur l'aéroport. Ça marche bien d'ailleurs l'aéroport. 356 touristes en attente de partir. 220 arrivées de touristes aujourd'hui. Bah, ça marche très très bien, oui. Bien. Notre ville touristique fonctionne très très bien. Je reprends mes repères, hein, comme je l'ai déjà dit. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et j'ai pris la décision de mettre la musique de SimCity 3000 au dernier moment. Et ça me change un peu, je vous avoue. Ça me fait remémorer des souvenirs. C'est vraiment un jeu qui est extra. C'est vraiment un excellent jeu. La centrale au charbon, ça marche plutôt bien. Ah, un petit peu de bouchon. Les bouchons, ça change rien de ce côté-là. Hein. C'est toujours aussi plein. Pourtant, on a trois moyens de communication. Hein. On a le ferry qui est comble. On a le train. On a deux gares. On a deux gares. Deux gares de train. On a la gare ferroviaire qui est ici. Voilà, qui est plein aussi. Et on a aussi une autre gare que j'ai installée depuis peu, la gare allemande. Ah oui, il y a aussi un autre objectif. Ce serait les bus anglais. Les bus anglais, j'ai déjà eu l'occasion de les tester, les bus anglais. Et pour notre problème de circulation sur l'autoroute, ça pourrait être une très bonne idée. Bon, l'objectif principal, avant tout, c'est cette fameuse Tour Eiffel. On va essayer dans cette session d'installer la Tour Eiffel. On va essayer aussi de refaire un peu ce quartier là. Il est... Je sais pas, je le trouve moche. Pas vous, vous le trouvez pas moche vous? Bon, ça supposerait de détruire la centrale. Non, je sais pas, le quartier je le trouve un peu moche. Hein, c'est. Je sais pas, je trouve ça pas très très bon. Vous inquiétez pas si ça lague un peu, hein, c'est normal. Je vous l'ai dit, c'est à cause de la musique de SimCity 3000 qui est en même temps. Ça le perturbe, c'est pas compliqué. Ça le perturbe, le pauvre. Oh, le pauvre. Le pauvre SimCity 5, ça le perturbe. Du vieux SimCity avec du vrai SimCity. Attendez 2 minutes, je vérifie quelque chose. Ouais, j'ai bientôt enlevé. Je sais pas, j'ai jamais l'impression d'entendre un petit peu. Bon, j'ai gardé les effets. Tout ce qui est le bruit de la ville. Tout ça, les véhicules, tout ça. J'ai gardé parce que ça fait partie du truc. Et si jamais il y a... Si jamais il y a un événement majeur, je pense que je serai averti. On sait jamais. Alors ça pourrait être pas mal dans ce coin-là. Je cherche un endroit. Ça pourrait être très sympa dans le coin. Dans le début de la ville, ouais, pour attirer le maximum de touristes. Pour agrandir encore et encore notre ville de touristes. Et pouvoir aussi optimiser nos casinos également. Pouvoir construire encore d'autres. Et éventuellement des casinos de bien meilleure catégorie. Hein. Casino futuriste, casino. Ok, ou encore le casino élégant. Ok. Moi, je vais rester sur le futuriste, je pense. Alors, du côté de SimCity, on est en mise à jour 6, il me semble. Donc, ils ont encore corrigé quelques bugs. Ils ont rajouté des trucs, je crois, dans la RCI, je crois. Je sais plus très très bien. Niveau argent, ça va, tout baigne. De la population, tout va bien. 2000 touristes aujourd'hui,
C'est pas beaucoup 2000? Si, c'est beaucoup. J'arrive pas à savoir. Je croyais qu'ils avaient changé quelque chose, ouais. Peut-être rajouter. Non? Bah, je sais plus. Bon, c'est pas grave, vous allez me dire. Carte du touriste, s'il vous plaît. Voilà, carte du tourisme. Là, nous avons un casino, nous avons le théâtre du globe, nous avons un autre casino, et ici nous avons notre nouveau monument, le Giralda. Ça marche plutôt bien, c'est tant mieux. Il me semblait que j'avais déjà mis dans, dans une autre ville, mais c'est pas grave. Pas grave. Il y a donc là, un casino là, et c'est tout. Ouais, d'accord. Ouais, bah ce serait bien alors la tour Eiffel par ici, dans ce quartier ici, avec un casino. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Ah, et pour faire une réforme urbaine par ici, ça va être compliqué. Pour une restructuration urbaine, ça va être très compliqué. Ah, c'est juste que vous avez la station d'épuration ici. D'ailleurs, c'est plein. Parce que ça, c'est là. Oh oui! Il est temps de faire des travaux, messieurs. Voilà. Il est temps de faire un petit peu de travaux. Niveau santé. On a une clinique, il me semble, qui fait absolument toute la ville. Ce serait une bonne idée de mettre deux cliniques. Finalement. Au lieu de faire une clinique super performante qui va absolument partout, ce serait plus simple de mettre une deuxième clinique. Déjà que celle-ci n'est pas vraiment centrale, hein, et vraiment sur le côté, hein, ça fait un long voyage pour les ambulances. Même si ça n'a pas vraiment de conséquences au niveau de la santé, bon, il y a un mort par jour, mais bon, c'est pas encore dramatique. J'ai pas projeté de faire un casino du côté du ferry. Ah, en installant peut-être un monument supplémentaire, peut-être. Ce qui serait pas idiot, quelque part. Ah, je vous avoue, je sais plus du tout où j'en suis. Hein. J'ai même pas regardé mes précédents épisodes pour voir ce que je faisais. Agrandir peut-être l'aéroport. Voilà, en rajoutant un petit terminal supplémentaire. Au niveau de la santé, ouais, bah ce serait une bonne idée de faire ça. Ah, peut-être en mettant la gare anglaise dans le coin. Ah, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Bon, ce qu'on va faire en tout cas, c'est construire notre nouvelle clinique dans le coin. Là où il y a de la place, ce serait quand même mieux. Alors, côté du casino. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Allez. Processus d'embauche, patati patata. Service de santé disponible pour les voisins, c'est très bien. Plutôt ici les ambulances. Comme ça, on va pouvoir mettre une chambre ici. Et une aile ici. Voilà. Comme ça, nous avons une nouvelle clinique optimale.